Et bonjour à toutes et à tous, les amis. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau live, le lancement d'une Falcon 9 Block 5 de SpaceX qui doit propulser aujourd'hui 53 satellites Starlink et les déployer sur une orbite basse à plus de 500 km d'altitude. Je ne suis pas tout seul pour vous couvrir ce vol. Je suis accompagné de Pablo. Bonjour Pablo. Bonjour, bonjour tout le monde. Comment tu vas? Bien, 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 et toi? Ça va super, on espère que cette fois-ci ça va partir, contrairement à hier, hein, où on a eu, je vous rappelle, un report météo, on avait un PGO de 60%, donc une probabilité go météo assez mauvaise. Aujourd'hui on est à 80%, c'est bien ça? C'est ça. C'est bien ça, et donc du coup, ça doit partir de la Cape Canaveral Space Force Station, depuis le pad SLC 40, en Floride, aux États-Unis, et le décollage est prévu normalement pour 13h19, heure de Paris, donc c'est un petit peu plus tôt que ce qui était prévu hier, hein. Hier ça devait partir à 13h41. C'est avancé de 20 minutes aujourd'hui et en plus on est samedi donc je pense que voilà vous êtes un peu plus au rendez-vous. Effectivement c'est le cas donc merci à vous déjà pour votre influence. Vous êtes vraiment nombreux là en ce début de live donc ça fait plaisir. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Installez-vous bien. Ouais. Je te reprends 2 secondes, Pablo, je coupe ma cam juste 30, juste 10 secondes, j'arrive. Ça marche, ça marche. Ça va et toi Ryzen? Oui, ça va partir aujourd'hui, il y a une bonne météo. Starlink. Salut Jo. Et salut les amis. Allô, c'est welcome. Comment ça va ce matin les amis? Enfin, speedy plutôt. Ça va, ils ont l'air d'être chauds. Ben écoute, ça va, hein, franchement. C'est ça. Je disais, Lucas, on va essayer de... Lucas est à Paris. J'avais pas remis mon micro et il est prêt en toutes circonstances à être en live avec nous. On essaye. Vous manquez les amis, du coup on s'est débrouillé pour live. Voilà, voilà. En tout cas, j'espère que ça va. Que vous êtes chaud. Vous avez passé une bonne matinée, les amis. Je vois que vous êtes nombreux quand même pour. On est quel jour? On est samedi en même temps. Hein. On est samedi midi. Il y a du monde. Reposé, ouais, moi je me suis bien reposé, ça fait du bien, parce que là, on a enchaîné une semaine quand même avec beaucoup d'activités. Et c'est pas fini, hein, parce que moi je suis en train de bosser sur le récap qui sort demain. Donc voilà, on est sur tous les fronts. GG Alex pour M6, merci, merci, il n'y a pas que moi qui est passé sur M6, il y a Lucas aussi. Hein. C'est surtout grâce à Lucas qu'on est passé sur M6, donc un grand merci à lui déjà. Donc... Faites péter les pouces bleus. Oui, n'hésitez pas à lâcher votre petit like là. On n'est même pas à 100 likes, les amis. Là, c'est pas normal ça. Allez, lâchez votre pouce bleu pour soutenir la chaîne un maximum. Partagez ce live. Les abonnements aussi. Les abonnements aussi, c'est important. Abonnés. On est bientôt 16 000 hein, sur la chaîne. C'est quand même fou, 16 000 abonnés. Déjà, ça commence à être sérieux l'histoire. Hein. Surtout quand on sait qu'il y a une semaine, on était 12 000 quoi. Ouais, un peu moins de 12 000 même. On a pris un nombre d'abonnés, les amis. Merci beaucoup en tout cas. En vrai, j'ai découvert votre chaîne pour l'amérissage de Thomas et franchement, je ne me lasse plus de votre chaîne. Merci beaucoup, Kevin. Écoute, c'est très gentil comme message. Semaine de fou, ouais, tu m'étonnes. Vers votre chaîne, les amis. Merci, Nicolas. Du coup, j'ai récupéré la bonne webcast parce que j'ai plus la bonne webcast, moi. Bien joué, Alex. Hop. Elle est en route, la webcast, Alex, là? Je regarde ça, justement. Non, ça commence à 13h20. Mais ça va commencer avant parce que ça doit partir à 19h. Juste me mettre en mode studio en attendant, je vais paramétrer la webcast. Partage chaque live sur mes réseaux. Merci beaucoup Benoît, c'est exactement ce qu'il faut faire. Ah bah elle est déjà prête la webcast, ça c'est fait. Nickel, j'ai pas besoin de la mettre. Salut Quentin qui est dans le chat. Oh merci Jean-Patrick pour ton nom, merci beaucoup, gros cœur pour lui dans le chat, ça commence. Ouais, non. Merci beaucoup, gros cœur dans le chat pour Jean-Patrick les amis. Salut Elodie. Notre belge national. Notez qu'on a aperçu le chat du live sur M6, donc potentiellement quand vous postez ici un message, vous pouvez passer à la télévision. Et c'était le cas de Florence notamment. Ouais, Florence, elle est passée sur M6. Ouais. Elle était toute contente, Florence. Biscuit aussi, je crois. Donc voilà. C'est vrai qu'en ce moment, c'est fou ce qui se passe pour nous. Et Tox. Salut. Et toi qui est dans le chat, qui normalement va venir peut-être en vocal, mais c'est pas sûr.
Je te recale juste avant que tu arrives, Pablo, avec lui. C'est parti pour le décollage des pouces bleus pour Pablo et Alex. Il y a Lucas aussi qui est avec nous. En tout cas, les Y a amis. Printemps aussi qui est en vocal, je sais pas ce qu'il fait. Il y a Hugo qui va arriver. N'hésitez Salut pas à me Joe! poser vos questions, dans tous les cas. Est-ce que t'as parlé un petit peu de la fusée? T'as dit 2-3 Même éléments. pas, mais c'est une Falcon 9 Block 5 pour ceux qui ne connaissent pas cette fusée. C'est une fusée qui mesure 70 mètres de haut, qui est composée de deux étages. Pourquoi on dit Falcon 9? Bah parce qu'elle possède 9 moteurs Merlin à sa base, hein, à son premier étage, qui brûle, qui fonctionne grâce à du kérosène hyper raffiné RP1 en carburant et en oxygène liquide en comburant, donc du LOX. Pareil pour le deuxième étage, sauf qu'il est optimisé pour le vide, c'est le Merlin 1D Vacuum. Peut-être que je peux montrer hein, le site de SpaceX directement, hein, pour être pas mal. Je vais faire comme ça, je pense. Comme ça, vous pourrez voir, ceux qui connaissent pas bien la fusée, ça peut arriver, hein, certains peut-être assistent à leur premier décollage aujourd'hui de fusée, donc c'est toujours intéressant de montrer ça. Merci François. C'est le seul lanceur de classe orbitale à être récupéré, enfin le premier étage est récupéré. Oui, aussi, oui, tout à Il va fait. atterrir sur une barge dans l'Atlantique, enfin au large de Au Cape large, qui Canaveral, s'appelle à Just Read 620 km à peu ouais, près. qui s'appelle JRTI ou Just Read Instructions, savoir que SpaceX possède trois barges dans sa flotte. OSSL, donc Of Course I Still Love You, JRTI Just Read Instructions et ASOG, donc Shortfall of Gravitas. Qui a récupéré, cette dernière d'ailleurs, a récupéré le booster de la Falcon 9 de Crew 3. Voilà. Et là, je vais vous montrer. Je vous laisse répondre aux questions, Lucas et Pablo. Je prends le site de Bah écoute, SpaceX. déjà il y a beaucoup de messages de bienveillance, alors merci beaucoup les amis pour votre soutien. Date du lancement, bah écoute Sacha, aujourd'hui là, t'es bien tombé. Et oui, alors Florence, on a appris malheureusement la disparition de Glenn, vous savez, Ouais. l'astronaute qui a volé sur la mission de Blue Origin. Du Shepard NS-18 que vous aviez couvert, Hugo et toi d'ailleurs. Ça, Sur un crash c'était. d'avion. J'étais bien triste quand j'ai appris ça hier, moi. Ouais, ça nous a fait bizarre d'apprendre ça également. Donc là, voilà, on a la Falcon 9. Donc Falcon 9, au total, c'est 126 lancements, 86 atterrissages réussis et 68 boosters qui ont revolé. C'est quand même fou. Voici à quoi elle ressemble. Donc elle mesure 70 mètres de haut, elle a un diamètre de 3,70 m, elle a une masse au décollage qui s'élève à 549 tonnes, elle peut envoyer en orbite basse plus de 22 tonnes, sachant qu'aujourd'hui on va envoyer... Merci beaucoup Benoît pour ton don! Benoît, merci Oh, énorme. si ça connaît, vous prenez toujours le temps d'expliquer, de vulgariser, bah c'est la base quand même dans notre domaine, hein, je trouve, hein. Enfin moi je pense, donc c'est pour On ça essaye qu'on d'être là explique. pour tout le monde, prendre le temps de répondre à tout le monde. Tout à fait. Donc là C'est notre but. aujourd'hui on n'envoie pas 53 22. petits satellites Ouais, Starlink. on n'envoie pas 22 tonnes, mais 13 tonnes 78 si je me trompe pas. Donc un peu moins de 14 tonnes. Donc on est vraiment on est encore large hein, en matière de capacité. Elle peut envoyer en orbite de transfert géostationnaire 8 tonnes 3 et 4 tonnes vers Mars. C'est quand même assez fou quand on y pense. Voilà, ici on a le premier étage. Donc avec ses pieds à sa base, les 9 moteurs Merlin. Le logo SpaceX, le drapeau américain, le logo de la Falcon 9. Ensuite, on a le deuxième étage, qui lui possède un Merlin vacuum, donc optimisé pour le vide, avec une tuyère plus grande, qui a une poussée de 981 kN. Là, on a l'inter-étage, donc c'est ce qui. En fait, c'est la structure qui abrite le deuxième étage, en fait, hein, qui abrite, pardon, le moteur du second étage. Et qui possède des ailettes aérodynamiques qu'on appelle aussi grid fins, qui permettent au booster d'ajuster sa trajectoire pour l'atterrissage. De diriger le booster, oui. Et là, on a la payload, donc ça peut être une coiffe comme aujourd'hui, ça va être cette coiffe-là aujourd'hui, qui a une hauteur de 13 mètres et un diamètre de 5,20 m. Et sinon, dans les cas où on envoie des hommes ou du cargo, on envoie Dragon, comme on a vu lors du lancement de Crew 3. Voilà. Et donc ça c'est le Merlin, donc le Merlin classique, hein, sea level, donc atmosphérique, qui brûle donc en carburant du LOX et du RP1, donc de l'oxygène liquide et du kérosène hyper raffiné, qui a une poussée unitaire de 845 kN, donc x9 ça vous donne la puissance cumulée de tous les Merlins au sol, et le vacuum qui a une tuyère plus grande, qui a une poussée de 981 kN, donc c'est quand même sympa, Les et amis, voilà. pour info, Hugo est avec moi hein, derrière le micro. On a un micro pour deux, donc on va se relayer, mais il vous fait des gros bisous. Voilà.
Donc je vais repasser sur savoir la qu'il mine. existe une version lourde de cette fusée, la Falcon Heavy, Ah oui, bah avec je peux la. deux boosters, Je vais la montrer d'ailleurs, tiens, si tu fais bien des d'en parler. boosters sur les côtés. Donc voici la Falcon Heavy en fait qui est. En fait, c'est une fusée où C'est ni vous plus ni avez. moins que 3 Falcon 9 en fait. C'est ça, 3 Falcon 9. Donc on a 27 moteurs Merlin 1D à la base. Ça, c'est pas la fusée qui part aujourd'hui, mais elle partira. On va en avoir normalement 4 si je me trompe pas qui partiront en 2022. Et donc vous avez bah, deux boosters de Falcon 9 qui ont été greffés au corps central avec des petits dômes. Et la hauteur ne bouge pas, par contre le diamètre lui il bouge, hein. On passe de 3,70 m à 12,20 m. La masse elle est gigantesque, on est à 1400 tonnes au décollage, je sais pas si vous vous rendez compte. Elle peut envoyer près de 64 tonnes de charge utile en orbite basse, près de 27 tonnes en orbite de transfert géostationnaire et près de 17 tonnes vers Mars. Ça commence déjà à être intéressant. C'est la fusée la plus puissante en activité aujourd'hui. Ouais, tout à fait. Avant que le Starship et SLS ne la détrônent. Et là, on a Si on du avait coup. sur la mission, pardon, je te coupe, mais c'est des satellites qui partent, Céline. Ouais, on va vous montrer ça juste après. Hein. Donc là, Faut vous avez savoir que les. les trois boosters ils atterrissent aussi. Hein. Ils Ouais. sont récupérés. Là, les trois boosters, généralement. En règle générale, les deux boosters latéraux ils vont revenir sur des landing zones terrestres, donc des zones d'atterrissage terrestre, à 13 km du pas de tir. Et le corps central, généralement, il atterrit sur une barge. Mais la prochaine mission, ils récupéreront pas le corps central, mais je crois qu'ils tenteront de récupérer les deux boosters sur deux barges distinctes. De barge, c'est ça. Voilà. Là, on a les moteurs, donc les 27 Merlin. Là, ça commence à pousser. On a une puissance de près de 23 méga-newtons. Au sol et de près de 25 méga-newtons dans le vide. Et là, on a les pieds d'atterrissage, donc les deux boosters sur les côtés dont on vous parlait qui atterrissent au sol et le booster central qui arrive sur une barge. Voilà. Là, on a l'inter-étage, donc, comme la Falcon 9, sauf qu'on a des systèmes d'attache pour que les boosters latéraux soient correctement attachés. Le second étage qui change pas de la Falcon 9 et la payload, donc via la coiffe. Voilà. Vous avez tout ça sur le site de SpaceX, hein, si vous voulez revoir toutes ces informations, les amis. Voilà, tout simplement. Et donc la mission d'aujourd'hui, qu'on va aller voir, eh bien c'est Starlink, donc qui est la constellation de SpaceX, hein, qui est dédiée bien à de l'internet par satellite, hein, pour les régions reculées, isolées. Donc là, on a toutes les séquences d'avant-vol, les séquences d'après-vol, et ça va être rapide parce qu'en 15 minutes, ils vont déployer les Starlink. À l'époque, ils mettaient beaucoup plus de temps que ça, hein, rappelez-vous, à circulariser l'orbite et à déployer les satellites. C'est parce que ça fait. Ils ont des groupes de Starlink. Là, on est au quatrième groupe et c'est sur l'orbite la plus basse en fait. Elle est à 540 km de haut C'est rose et ça ambroise. va jusqu'à 570. Voilà. En Je tout, vais. il y a Donc 5 passer au groupes. QNH ou au QFE pour le décollage d'une fusée. Alors honnêtement, je sais pas. Sûrement au QNH, mais pour le temps que ça dure, de toute façon. Il y a des dates pour la prochaine mission avec Falcon Heavy, c'est pas avant janvier, il me semble, mais je vais les revoir. France bien oui, l'ami. En 2022, il y a 5 missions prévues. Alors ça peut glisser, hein, mais Ouais, il y a 5 missions, c'est beaucoup, USF-67, hein. USF-52, USF-44, Viasat 3 et Psyche. Je sais pas ce que c'est, Psyche. Tu veux que je te dise ce que c'est? Non, c'est bon, je vais Ce serait attendre. en août 2022, c'est un orbiteur qui doit étudier des astéroïdes métalliques qui sont au nombre de 16. Ah non, ah oui, d'accord. Et c'est Les amis, pour. on est Et pratiquement en passant 26. sur le live, Et n'hésitez pas à lâcher votre pouce bleu. c'est une mission chapeautée par le JPL hein, quand même. Hein. JPL qui, je vous rappelle, s'occupe des missions interplanétaires, notamment de Persévérance. Donc c'est un gros truc là, hein. Psyche. Hein. Ils ont développé Ingenuity. Et oui, c'est Qu'on les lance dans SF-44, c'est en janvier la prochaine mission de Falcon Heavy. On n'a pas la date exacte, mais on sait que ça va arriver en janvier 2022, donc ça va être fou. Normalement, d'ici là, ça peut glisser. C'est une chaîne au top, félicitations. Merci beaucoup, NASA Passion. J'aime bien ton pseudo. Psyché. Ça marche en semaine. Ça se dit psyché, ouais. Pourquoi des lanceurs non polluants je vois. Ouais, je vous rappelle que vraiment les lanceurs vraiment les plus polluants aujourd'hui, c'est plutôt les protons et les fusées chinoises. Hein. Les autres le sont moins et c'est compliqué de faire des fusées 100% éco-friendly. Et Starship, ça pollue pas beaucoup, ça, si? Bah,
parlait de méthane, d'émissions de méthane lors de la COP26, et malheureusement Starship relâche du méthane quand même, hein. Même si c'est du Oui, méthane c'est pour liquide ça. amélioré, ça reste du CH4 quoi. Il y a bien un décollage de Falcon Heavy la semaine dernière. Je... Non, il n'y a pas eu de lancement de Falcon Heavy, Elodie, la semaine dernière. La semaine dernière, c'était Crew 3, une Falcon 9 aussi. Ah non, C'était c'était cette bien Crew semaine, 3. c'était cette semaine. On a l'impression que c'était il y a déjà plusieurs jours, alors que c'était avant-hier, il y a 2-3 jours, quoi. Pour une fois que SpaceX lance une sonde spatiale. Ah, mais il y a aussi Europa Clipper qui vont lancer, hein. Il y a une Falcon Heavy, enfin, là, ils ont raflé plein de contrats, hein, SpaceX. Mais DART, c'est une sonde spatiale en soi. Hein. Starship, c'est un impacteur d'astéroïdes, Dart. Ouais, donc en soi. Ouais, mais bon. Chose. Starship n'émet pas de méthane, mais le produit de la combustion, c'est du CO2. Bon, ça reste du dioxyde de carbone, quoi. Ouais, c'est pas ouf. C'est pas fou, c'est pas mieux non plus, quoi. C'est pas une fusée à l'oxygène, quoi. Ouais. L'estimation de lancement pour S20, on sait pas. Alors, hier, hein, sachez qu'il a effectué un tir statique et un pré-burner avant, c'est ça, hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Pré-burner, une tentative qui a échoué, et après un vrai static fire avec les 6 raptors, tous les Ouais, raptors, avec les trois pendant raptors 4 vacuum secondes. et les trois raptors 3-4 atmosphériques. secondes. Ça a bien fait tout trembler le Texas. Ils vont servir à quoi ces satellites? Bah, à diffuser l'internet à haut débit. Voilà. Tout simplement, c'est une constellation pour l'internet d'internet par satellite. Pourquoi le nom Starlink 4.1? Ben, 4 pour le groupe 4, à mon avis, et 1 parce que c'est la première mission du groupe 4, je Voilà. pense. Ok, mais à la fin de votre live, c'était quoi après Crew 3? J'ai pas compris, Elodie. Starship contient du méthane mais n'émet pas de méthane. C'est quand le décollage de SN20? On sait pas, Lucas, on ne travaille pas chez SpaceX. Hier, on a regardé le Static Fire. Ah, c'était fou, hein, quand même. Hein. Par contre, il a C'était. encore perdu des tuiles, hein, le Starship. Hein. Oh, rien comparé à À avant. au dernier test. Hein. Ouais, bah, tant mieux, Vraiment. c'est qu'il y a de l'amélioration, ça, c'est bon signe. Sur un WDR, il avait déjà perdu plus de tuiles, hein, alors qu'aucun raptor avait été allumé. Pour vous dire. Ah, salut New Horizons. Oui, Guillaume, Ariane ou les âges, il me semble qu'il penche là-dessus. Ouais. Ouais, sur des. Comment dire? Des nettoyeurs d'orbite avec notamment des. Une startup, je crois que c'est Clean Space, si je dis pas de bêtises. Qui est en. Pour parler avec l'ESA, enfin même qui a signé un contrat, je crois, avec l'ESA, hein, pour dépolluer l'orbite. Vous avez les vidéos du tir statique sur les réseaux et sur Discord, il me Ouais, semble. et demain on va en reparler dans le récap, donc abonnez-vous bien à la chaîne, activez bien la cloche. Et là, les amis, on est bien tiquement à 200 likes. N'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu. Et l'abonnement si vous n'êtes pas abonné. Savez-vous combien de satellites tournent autour de nos têtes? Là, tu me poses une colle, Nicolas. Mais beaucoup. Bon appétit, France Mio. Tu pourrais nous faire un comparatif entre le lanceur de Crew Dragon et celui de Falcon? Bah, c'est le même. Mais vol de SLS, c'est février, non, il me C'est semble. le 12 février 2022 normalement. Mais il y a plusieurs Ah, fenêtres, mais si ça part pas, il y aura une autre fenêtre plus tard. Il y a trois mais fenêtres qui ont été envisagées. le comparatif entre Crew Dragon et la Falcon Heavy, c'est juste que la Falcon Heavy, en fait, c'est trois Crew Dragon en gros. Ouais, mais C'est là il quand a la dit. prochaine mission d'Astra? C'est bientôt là. Bah, c'est demain normalement, mais on n'est pas. Il C'est n'y a rien de confirmé en fait. demain Enfin, matin. on a juste un TFR pour l'instant, quoi. C'est quoi la mission Artemis? Bah, Artemis, en fait, la première mission Artemis, ça va consister à envoyer une capsule Orion inhabitée autour de la Lune pour faire une mission de reconnaissance, on va dire, de 25 jours et tester tous les systèmes. Et il y aura aussi des nanosats à l'intérieur, enfin des CubeSats qui vont être déployés. Et donc en gros, c'est de valider toutes les technologies du SLS pour que ensuite on envoie des hommes vers la LOPG
et qu'on la construise en orbite lunaire. Voilà. En fait, Orion sera la navette entre la Terre et l'orbite lunaire. Et ensuite, on aura normalement le Starship lunaire, donc le HLS, qui fera la jonction, le chemin entre la LOPG et la surface de la Lune. Non, pas pour l'instant. Starlink sera pas connecté au Tesla, il me semble. TFR, c'est une zone de restriction des appareils, des Ça veut aéronefs dire photo. Temporary Flight Restriction, voilà, en anglais. Ça, c'est sur les constellations, Il y a c'est eu un truc par belle. rapport aux Chinois avant que la capsule Crew Dragon s'arrime à Houston l'ISS. aussi. Non, enfin un jour avant ou 2 jours avant, il y avait une EVA chinoise, mais sinon je vois pas Guillaume. Avant de partir, tu bosses dans quoi, Romain? Non, il est pilote d'hélico. Pour ça, Mais c'est non. pour rien. C'est énorme. Putain. C'est Et énorme Romain, si ça. tu viens sur Paris faire un tour d'hélico aujourd'hui, n'hésite pas à m'envoyer un message, on est là. C'est quoi comme hélico? Je crois qu'il fait du Robinson R44. Ah ouais, lourd. Bon, moi, je vais aller manger, je vais vous laisser là. Ça marche, Pablo, bon appétit. Allez, À au toutes. revoir, bon lancement. Merci. On approche tout doucement des 300 viewers, les amis. Merci beaucoup. Comment vont être déployés chaque satellite? Sont-ils toujours largués d'un coup? Alors, oui. Selon les entreprises, c'est différent. Pour SpaceX, ils lâchent une grappe de satellites d'un coup. Et ensuite, les satellites en autonomie viennent se mettre sur leurs orbites respectives. Et vous verrez à l'image, de toute façon, le déploiement des satellites. Niveau météo, normalement on est mieux. J'ai pas le PGO pour aujourd'hui, par contre. Je sais pas combien il s'élève. Faudrait que je regarde. Je vais regarder sur Twitter, tiens, si on a des news à ce propos. Ça marche, Romain. Oh là, il y a un avis de brouillard. Il y a un énorme brouillard sur la zone. Alors le brouillard, c'est pas le. Ouais. C'est C'est pas le pas le plus pire. C'est dramatique. pas le pire. Ouais. Un peu pour nous, parce que pour l'image, c'est moins joli, mais. Salut Anne, merci pour ton message. Bienvenue à toi. Salut Blonde et Fière. Ouais, on a un brouillard très épais là, en Floride, Mais que c'est-il un actuellement. rapport avec la science ou la physique? Non. Juste passionné. C'est pourquoi on allait voir un lancement et visite le Kennedy Space Center. Bah, on espère début d'année prochaine. Février ou avril, je pense. Février, ce serait pas mal parce que ce serait cool qu'on assiste au décollage d'Artemis 1, quoi. Ce serait ouf, vraiment. Oui, notre Mike Griffith est plus dans l'équipe, Chipat. Voilà, ça c'est dit. GG pour le reportage, merci Romain. Oui, il fera jour. On aura un lancement de jour. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un lancement de jour, effectivement. La webcast devrait être là dans moins de 5 minutes. Bah, dites-moi quand la webcast est dispo, les amis. Enfin, moi je vais surveiller, je vais me mettre en mode studio, comme ça je vais le voir. Hop. Le lancement d'Artemis 1, c'est le 12 février 2022, normalement. Je vais regarder, mais normalement c'était cette date-là qui était prévue. Ouais, 12 février. Avez fêté le retour de Thomas, Lucas et Hugo. Bah ouais, enfin on était contents, quoi. On allait au resto avec Hugo pour fêter ça, c'était super. Hier soir. Non, je rigole. Le déploiement des satellites, je vous dis ça, je l'ai en plus là, sur la timeline de SpaceX. L'heure de déploiement, c'est à 13h34 normalement. Ça va être très court, hein. Comparé au lancement de Starlink précédent, tu te rappelles, ça mettait du temps à chaque fois à circulariser l'orbite, etc. Là, en quelques minutes, ça va être déployé, quoi. Vraiment. Remplissage en cours de la Falcon 9, beaucoup de brouillard, mais cela n'impacte pas le lancement, Quentin nous dit.
C'est quand la rencontre abonnée? Bah, je sais pas. Moi, ce que j'aimerais déjà, c'est vous rencontrer, pourquoi pas au Bourget. Mais le truc, c'est que c'est pas avant 2023, donc il faudra trouver un autre événement avant. Peut-être une convention. Il y aura un festival l'année prochaine, là, l'été prochain, à Lille. Donc pourquoi pas s'y rendre aussi. À voir. Merci Angélique pour ton message. Merci beaucoup. Hein. C'est comme ça, Celt. C'est comme ça, on n'y peut rien. Lille serait top pour vos abonnés belges et luxembourgeois, par exemple. Ouais. Mais le mieux, je pense, ce serait vraiment le Bourget parce que ça réunit espace aéro et c'est vraiment, on est dans les, dans les, dans les, dans le thème de la chaîne, quoi. Dans les thèmes de la chaîne, donc ce serait juste ouf, mais c'est pas avant juin 2023, quoi. C'est loin. James Webb, 18 décembre, il décolle. Donc dans un mois, un peu plus d'un mois, James Webb va Salut partir Jean-Paul. de Kourou. Tu disais, Lucas? Moi, je dis bonjour à Jean-Paul qui nous a rejoint. Ah oui. On n'entendait plus rien, Alex. C'est normal parce que je suis pas tout seul chez moi et je coupe le son quand. Enfin, pour C'est éviter. la fusée qui décolle depuis la France. Bah écoute, c'est compliqué parce que pour un décollage de fusée, il faut une zone d'exclusion sous la fusée. Il faut des zones non habitables et en France, c'est compliqué. Sauf si on décolle vers l'ouest depuis la Bretagne ou depuis l'océan Atlantique. Sachant que notre port spatial en France c'est plutôt Kourou, hein. Donc plutôt en Guyane française, parce que Guyane française, bah, c'est la France, hein. C'est tout le monde du 77. Je crois savoir quitter. Ah non, 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 j'ai un dit SkyMax, mais plus c'était déjà passé sur un live précédent. Avez-vous des infos sur les petits lanceurs allemands qui seront potentiellement tirés en mer du Nord? Ça c'est RFA. Je t'avoue que je me suis pas trop penché sur le projet, mais ça a l'air très intéressant. C'est une start-up allemande. Ça fait un peu penser à Voss en France. Bonne journée du Québec. Salut à nos amis québécois qui sont déjà réveillés. Un plaisir de te revoir souvent, Alex, en ce moment. Ouais, David, j'ai l'opportunité d'être là. Quand je peux pas être là, bah, c'est un autre membre de l'équipe qui prend ma place, qui me relaie. C'est la force d'avoir une team. Et encore, Kourou, c'est plutôt pour l'ESA. Ouais, mais Venture Orbital, ils vont faire des tests à Kourou, hein, dans quelques années. Donc, ça va s'ouvrir. Je dois faire des travaux, désolé, je peux pas rester à plus. Pas de soucis, Michael, pas de soucis. Oui, en plus on est proche de l'équateur, mieux c'est pour les lancements, d'après ce qu'on a expliqué. Oui, parce que vous bénéficiez de l'effet de fronde. À ce de la Terre, bah, en fait, la Terre, enfin, vous avez un boost, hein, en matière de performance, de vitesse. Quelle composition de l'air dans l'ISS que du dioxygène ou comme sur la Terre? Comme sur la Terre, c'est quasiment la même atmosphère que la Terre. À part SpaceX, Blue Bonjour à part Origin. SpaceX. Ouais, pardon. Qui fait des lanceurs, excuse-moi, qui fait des lanceurs récupérables, bah il y a Electron qui s'est lancé il y a un an ou deux là-dedans. C'est pas encore des atterrissages à la SpaceX, hein, parce que pour l'instant c'est que des splashdowns, donc dans l'eau. Mais après ils vont essayer de, ils vont tenter de récupérer leur booster via un hélicoptère, un parachute. Donc on verra si ça marche bien. Et ce sera testé à la fin du mois de novembre, hein, d'ailleurs, hein, la prochaine tentative. Ah, on a une webcast chez SpaceX, ça y est, c'est parti. Je vais enlever la musique pour éviter qu'on se fasse claim, vous connaissez la chanson. Oh, on a même un live en 4K, dis donc, c'est dommage que je puisse pas vous proposer ça. Et on est sur Live SpaceX, les amis, ça fait plaisir. Le premier étage touche le sol à quelle vitesse? Très bonne question, Lucas, j'ai pas la réponse, je t'avoue.
L'oxygène pur est toxique, donc dans l'ISS, c'est du mélange comme sur la Terre. Avez-vous déjà fait des vols 0G? Non, mais Lucas adorerait. Et moi aussi. Il y a BO. Ah oui, il y a BO, bien sûr. Il y a Blue Origin avec la New Shepard. Je suis bête. Bien sûr qu'il y a la New Shepard qui récupère ses boosters. Excusez-moi, bien sûr. Mais non, mais il a dit à part BO et SpaceX, je crois, dans sa question. C'est pour ça que j'ai répondu que Rocket Lab. Quelles sont les fumées autour des fusées avant le lancement? C'est de la condensation. On appelle ça du venting, Alexandre. Temps bien pourri en Floride. Ouais. Il y a un temps pourri. Hein. On a un brouillard assez épais, à ce qui paraît. Donc, c'est pas foufou. J'ai postulé pour faire la récupération en hélico, mais ils veulent pas, ce serait énorme, hein, t'imagines? Tu pilotes l'hélico qui récupère le booster là? Ce serait fou ça. Avez-vous vu le beau blouson que porte Thomas sur... Ouais, je l'ai vu, je le trouve pas sans sas moi. Mais ça vient de la boutique de l'ESA, hein. Clairement, ils ont fait de la promo pour leur boutique. Ça se voyait. Plus un abo. Merci Castor, merci pour ton abonnement. Arca à faire de la réutilisation, ouais, mais bon, c'est pas tout de suite que ça vole ça. Bonne question, ça apophis, je sais pas par contre pour la Lune comment ça se passe au niveau des phases jour-nuit. J'ai mis le réveil pour vous suivre, les gars. Le compte à rebours a tourné 16 minutes. Bonjour, comment et quand a-t-on découvert l'apesanteur? Merci pour vos super lives. Bah, je pense à partir du moment où on a envoyé un homme dans l'espace, mais même avant. Ouais, non, bah, à partir du moment où Gagarine est parti, je pense. Vol à trottinette chez SpaceX. Bah, on est dedans, on est devant là. Hi guys, busy week for you. Ah, bah, c'est bon. Ça refonctionne, Lucas, pour ce que tu disais. L'animation, elle marche bien. Busy guys, guys, busy week for you this week. Hope you're fine. You do a good job, guys. Thanks, Steven. Thanks so much. And yes, it was a busy week, but it will be more calm in the next days, in the few days. Bonjour de Grenoble. Salut, Mickaël. Ah, il y a Vincent qui est... par contre, Vincent, c'est plutôt bonjour, hein, on n'est pas le soir. Vincent qui est... Tu fais plaisir d'être sur le chat, ça fait plaisir, merci Vincent. Bonjour de la Normandie, salut Jérémy, bienvenue à toi. Le lien Tipeee fonctionne pas, erreur 404, je te renvoie ça. C'est chiant que ça fasse ça à chaque fois. Je le renvoie, les amis. Je vais aller sur le... Regardez, je vous envoie un lien où vous avez tous les réseaux. Attendez, je vous redonne ça. Pour le Tipeee, il est ici le Tipeee. Hop. Ah, faut que je me connecte à mon compte, je vais l'envoyer dans l'autre chat YouTube. Voilà, pour ceux qui veulent nous aider, bah il y a le Tipeee dans le chat. Découvert un peu tard. Ah oui, ils ont envoyé des animaux, ouais. Il y a un effet, ouais. Je suis bête. Bah Laika et compagnie, hein. Félicette, Laika et les autres qui sont partis avant avant l'homme, avant les humains. On a un Discord ici effectivement aussi. Je vous mets le Discord dans le chat. Hop. Quels sont les moyens utilisés pour éteindre un incendie dans l'ISS? Bah un extincteur, hein, tout comme sur Terre, sauf qu'il est adapté au comportement de la flamme en apesanteur. Bonjour Toulouse, salut Julie.
Combien de temps faut-il pour aller sur la Lune? Je crois que c'est 3 jours et demi, quelque chose comme ça. Et ça y est, la webcast démarre. Du côté de SpaceX, enfin, on a les images, ça y est. Je vais... Voilà, je mets le son. On va enlever les sous-titres. Regardez cette Falcon Heavy qu'on va voir partir en janvier, les amis. Les images de SpaceX dont on se lasse pas. Là, on avait Bob et Doug lors de la mission DM2. Toutes les, enfin, les dernières Crew Dragon sont parties. Je pense qu'on devait avoir Crew 2 dans le lot. La Tesla du vol inaugural de la Falcon Heavy. On était en direct, hein, pour soi. L'atterrissage de booster, et encore une Crew Dragon. Elon Musk. Alors, on se lasse pas de cette intro aussi, hein, de chez SpaceX, qui commence à dater un peu, mais qui est toujours au goût du jour. Oh, on a, regarde cette météo, Lucas. On voit, on a des nuages extrêmement bas. C'est incroyable. Et on voit le VAB au fond, là. C'est incroyable la vue qu'on a, là. Il nous reste 12 minutes avant le tir. Starlink is a satellite internet constellation designed and manufactured by SpaceX that can provide high-speed, low-latency internet to people living in remote and rural locations around the globe. This launch will send... T'imagines une intro façon Starship? Bah, je pense que limite ils vont peut-être faire ça pour le vol orbital. Hein. Super l'émission sur M6. Merci beaucoup Odile. C'est pas Jessie Bahan, non Hugo. Hein. C'est pas toujours Jessie qui est aux manettes. C'est quoi comme lancement aujourd'hui? On va lancer 53 Starlink, donc des satellites qui vont diffuser Internet, hein, qui sont construits, designés par SpaceX. Donc c'est la constellation par Internet de SpaceX, hein, en orbite basse à 500 km d'altitude. Et si c'est la Falcon 9 Block 5 qu'on voit à l'écran qui va les propulser. Oh, on a une vue incroyable, regardez, avec les nuages bas là. On dirait que la fusée elle est en altitude, à 10 000 mètres d'altitude. C'est incroyable l'image qu'on a. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, le booster, je vous ai pas précisé, les amis, hein, mais c'est le 9e vol du premier étage aujourd'hui, et c'est pour ça qu'il a une... bah, qu'il est un petit peu... il est légèrement brûlé, on va dire, à cause de toutes ses rentrées. Et que, pour le coup, ici, ce booster, il a volé sur Demo 2, Anasis 2, Starlink 12, CRS-21, Transporter 1, Starlink 20, Starlink 23, Starlink 26, et le vol d'aujourd'hui. Donc, ça commence à faire... J'adore votre chaîne qui répond à mes questions. 99,9%. Merci à toi, David, pour ton message. Vendredi prochain, après mon inspection de jeudi après-midi, replay de ce qui s'est passé à partir de la semaine dernière. Oula, bah Elodie, il va y en avoir. Tu vas en avoir du replay à consommer. Falcon 9 posé sur les nuages. Mais c'est ça, mais c'est incroyable. Et là, on a la barge. Ah, c'est assez agité en mer, là. C'est la barge IRTI, hein, qui est située dans l'Atlantique, qui va récupérer le premier étage aujourd'hui. Savez-vous quand repartiront les astronautes qui ont accueilli les astronautes de Crew 3 à bord de l'ISS? Eux, ils vont partir fin mars, normalement. Fin mars 2022. Mon internet n'arrête pas de couper. Ah, bah, passe en 4G, peut-être. Tu crois que si j'ouvre une entreprise pour le spatial comme ceci, que je pourrais devenir riche comme Elon Musk au nom d'entreprise qui s'appellera Space Group? Il faut déjà... Regardez la barge. On l'a déjà vu, Lucas, t'es en retard. Ah oui, pardon, je suis... Pardon. Prends le flux SpaceX, peut-être. Bah j'y suis pas. On avait les... du brouillard par contre. C'est ce que j'expliquais, Lucas. Ce que j'expliquais, t'as vu, on avait l'impression que la fusée elle allait partir de l'altitude, quoi. De 10 km, ouais, d'altitude. C'est vraiment beau. Regardez le venting sous la coiffe là. Ouais. Au niveau du deuxième étage, on a du venting, donc de la condensation. Et la prochaine étape, c'est avec l'engine shield. Hein. On va refroidir les moteurs Merlin 1D du premier étage pour qu'ils soient à la même température que les ergols qui sont cryogéniques. Ouais, tu as toujours de live à regarder, c'est clair. C'est le VAB qu'on aperçoit au fond, là? Ouais, j'ai l'impression que c'est le VAB qu'on aperçoit au fond. C'est incroyable, hein. On a vraiment l'impression qu'ils sortent des nuages et qu'il n'y a pas de sol en dessous, tu sais. Ouais, là, c'est très 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 beau. Hein. Puis en plus, on est au petit matin, là. Hein. Il est 7h10, heure locale. Une de demi-coiffes a été utilisée sur GPS-35 et l'autre sur une mission Starlink. Ah, ça je l'avais pas précisé, merci Quentin. Ah,
Les PGO est monté à 90%. Bon, ça, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que ça va. Il y a de très fortes chances que ça parte. C'est une coiffe récupérée. Oui, bah oui, Jean-Patrick, du coup, Quentin a répondu à ta question. Les satellites serviront Internet aux États-Unis ou également en Europe pour un usage. Ah non, non, mais il y a tous les autres pays. Hein. Il y a eu le Royaume-Uni, il va y avoir la France. Il y a plein de pays. Je n'ai pas la liste des pays qui bénéficient du service, mais. J'espère que l'on aura la télémétrie de l'étage 1 sur la rentrée. La fois dernière, on en a été privé. J'espère aussi. C'est pourquoi ce décollage, on va envoyer 53 Starlink en orbite basse. Il est cher. Non, la barre chez Just Freeze Instruction est aujourd'hui. C'est pas aussi sli. Faut espérer avoir une belle vidéo du retour. Bah, on peut avoir, je pense, une belle vidéo parce que comme le jour va se lever. T'avances pas trop, Alex, t'avances pas trop. On verra bien, ouais, avec le brouillard. Faut espérer que le brouillard soit un petit peu sipé d'ici là, quoi. Déjà, ce serait énorme d'avoir un drone qui tourne autour de la barge pendant le retour du booster. Ça m'étonnerait quand même. On a des images de la barge, justement. Vous voyez qu'elle a beaucoup de roulis, la barge, là. Beaucoup de... Oh, regarde la vue qu'on a, Lucas, là. C'est incroyable. C'est vraiment planant. On a les nuages et la Falcon au bout avec les 4 paratonnerres. Incroyable, cette image-là. Aussi Slit à Los Angeles. Ouais, parce que Aussi Slit s'occupe des récupérations sur la côte ouest, si je dis pas de bêtises. Bonjour tout le monde, il envoie quoi exactement avec cette fusée? Merci à vous pour ce que vous faites, merci à toi Jimmy Glibert. On envoie aujourd'hui 53 Starlink de la constellation de SpaceX qui diffuseront Internet hein, à haut débit partout sur le globe. Non mais là, cette vue est vraiment magnifique. Hein. Mais alors, ouais. Vraiment magnifique. Ça y est, l'engine chill a débuté, on refroidit les Merlin et là on a une petite vue du retour de Crew 2 hein, avec Thomas Pesquet qu'on a couvert cette semaine avec l'équipe. Je pense que t'as un petit retard, Lucas, essaie de te mettre en même temps que moi. Si tu je suis en train de faire, ouais. Moi, je vais faire pareil, je vais me remettre exactement au bon moment. Ouais, j'avais un peu de retard, moi, en plus, déjà, donc tant mieux. Et là, donc là, on a Crew 3, l'équipage dont on a couvert aussi le lancement et l'amarrage cette semaine. Donc ça commence à faire beaucoup. Salut Gorito. J'arrive pas à enlever la barre rouge en bas, c'est chiant. Putain. Ah j'avais réussi, c'est bon. C'était sur ceux qui font les fameuses lumières dans le ciel, oui, ce qu'on appelle des trains. Bientôt la France va faire un décollage aussi, non, pas tout de suite. Avec Venture Orbital, mais pas tout de suite. Ah, c'est bon, j'ai remis au même moment, Jean-Louis. Projet Starlink, on est à combien de pourcentage d'avancement? On est encore loin du terme. Hein. Jérémy. On voit l'amarrage de Crew 3. Ah, bah j'ai du retard sur toi. Tu restes combien de temps toi sur ta vue à toi, Lucas là? Moi je suis passé les 4,58 là. Il me reste, je vais te dire. Il reste 4 minutes 50. Ok, on est quasi au même moment. J'ai un léger retard. Énorme présent cette semaine. Bah ouais, il y a des semaines où il y a beaucoup d'activités, il y a des semaines où il y en a moins. C'est comment vas-tu? Très bien, Lehman. Regardez cette vue là depuis le haut de la fusée, le sommet, la coiffe. Ah, on a le Strongback Retract qui a commencé, donc le mât qui se rétracte sous la coiffe. T'as de l'avance, Lucas, je crois. Il y a moins de brouillard, ouais, je pense que ça va se dissiper, on va être bien. Enfin, d'ici 4 minutes, il y aura toujours du brouillard, je vous rassure. Ouais, mais peut-être d'ici l'atterrissage du booster. Mais sur zone du booster, il n'y a pas de brouillard. Hein. Ouais, donc on va avoir une belle image au niveau de la barge là, en mer. Les gars, j'ai parlé de vous et de votre vie de rencontrer Thomas Pesquet et les A via Insta. Merci, Manu. Merci beaucoup, Manu. Ouais. Ah là, c'est quand même très très beau.
should finish loading propellant about a minute apart from one another, with the first stage finishing up at about T-minus 3 minutes here in about 30 seconds. And then the second stage should finish at about T-minus 2 minutes, which is about a minute. La coiffe a déjà été utilisée, oui. Oui, oui. At T-minus 60 seconds, Falcon 9 will be in startup. And this means that the rocket's autonomous. Ouais, il y a un nouveau système d'antenne, je crois qu'elle va être. Ils ont changé l'architecture d'ailleurs. J'ai vu. We light the Merlin 1D engines and we're set for lift-off. One lock load has closed out. We heard the call out that we did just. Quoi correspond le lancement d'aujourd'hui, Mylène? Eh bien, c'est le lancement de 53 satellites Starlink qui vont être lancés à bord d'une Falcon 9 de SpaceX pour sa constellation de satellites d'internet par satellite. Oh, on a encore la super vue de loin, elle est incroyable cette vue, je m'en lasse pas. Le premier étage est full, ok. Donc là, on a terminé le remplissage des ergols au niveau du premier étage. Comment ils récupèrent la coiffe? Bah, via des parachutes et ensuite ils atterrissent dans des filets sur des bateaux. Voilà. En mer. Donc ils récupèrent tout quasiment sauf le deuxième étage, quoi. Qui récupère peut-être ouais, 80% de la fusée, quoi, ce qui est déjà énorme. 75 à 80%. Bonjour à vous depuis l'Auvergne. Salut René. Pour les personnes qui sont dans des lieux reculés. Oh, merci Benoît pour ton drone. Merci Benoît beaucoup, merci beaucoup. Je m'en mêle Léo. Pour les super images et les super commentaires, merci à toi Benoît pour ton don. C'est quoi les quatre antennes autour? C'est des paratonnerres, Alexandre, pour éviter que la foudre s'abatte sur le lanceur. Ce qui serait préjudiciable pour le lanceur et la charge utile surtout. Non, ils atterrissent dans l'eau, ils sont récupérés après, ils ne sont plus récupérés dans les filets. Ah ok, ils ont changé. C'est vrai qu'ils avaient, il n'y avait plus les bateaux en question. Je vais me remettre moi à l'heure du tir. Je vais me remettre dans les clous du temps parce que j'ai l'impression que j'ai du retard encore. Ok, on est dans les clous. Et l'étage numéro 2 est rempli aussi. Parfait. Et donc là, on va avoir le startup. Donc c'est à partir du moment. Regardez le venting, regardez le venting. Ouais, il est énorme. Il est très très grand. À partir de ce moment-là, au moment où on aura le startup, eh bien, la fusée sera autonome. Hein. Elle va passer sur son alimentation bord. Donc dans très peu de temps. On passe sous les 1 minute ouais. Avant le décollage. C'est bon. La fusée est autonome. On est 500 sur le live pratiquement, merci beaucoup, n'hésitez pas à lâcher votre pouce bleu les amis. Ouais, on est qu'à 240 likes, n'hésitez pas à lâcher votre like les amis pour soutenir la chaîne, merci à ceux qui le feront. Et on est go for launch, le directeur de vol a annoncé que la fusée est parée au lancement. Allez, moi je vais retirer ma caméra et mon micro, je t'invite à faire de même Lucas. Ton micro ouais. Et je vais vous laisser apprécier regardez ce magnifique bruit. Regardez cette vue, j'espère qu'on va avoir cette vue là au décollage, c'est magnifique là. Très bon lancement à toutes et à tous, à tout de suite. À toutes. Five, four, three, two, one, lift off. Alors c'est juste magnifique là le décollage. Oui. En plus on l'a vu de loin, on a une vue assez différente de ce qu'on a d'habitude. Et on a une vue embarquée. Et la Falcon est supersonique, on a atteint Mach 1. Là on ralentit en régime parce qu'on approche de Mach Q hein, qui est la période de contrainte aérodynamique maximale exercée sur la structure du lanceur. We should be passing through in just a few moments. Réduit en régime légèrement. We did just pass through max Q and we will have three events happening in quick succession in just a few minutes.
which first we will have main engine cutoff, followed by stage separation, and second engine startup one. Et on voit la Floride qui se dessine sous la fusée. Tout à fait. Il y a des petits bugs de caméra, mais sinon c'est propre. Ouais, mais ça va, regardez le diamètre de la flamme qui s'étend de plus en plus. On va commencer à percevoir la courbure de la Terre aussi également. Ouais. La densité de l'air se raréfie à cette altitude. Which is second engine startup one, and this is where the single MVAC engine on the second stage. Et là, actuellement, on est en train de refroidir le moteur Merlin D, vacuum du second étage, qui va pas tarder à s'allumer. Et pendant ce temps, le premier étage continue sa course. On a plus de 40 km d'altitude, on est à 5000 km/h. De quoi avoir, Alexandre, il y a des Starlink, hein. 53 Starlink, des satellites de diffusion d'internet à haut débit. We will also have our fairing deployment from our second stage. La prochaine étape, les amis, c'est avec le Miko, on va éteindre les 9 moteurs Merlin D du premier étage. Et ça y est, Miko. Et séparation du premier étage. Le deuxième étage, s'allume. Et regardez le joint qui va se décoller comme d'habitude. Hop, voilà. Voilà, c'est fait. Il est décollé. MVAC ignition, that is second engine startup on those live views. Et déploiement des grid fins du premier étage qui va. C'est pas sur la coiffe, les amis. Avec les Starlink à l'image. Putain, je suis à l'avant sur moi. Donc là, on a la télémétrie. Hein. Vous voyez la coiffe sur, ouais, sur le plan du deuxième étage là qui descend, et on a la télémétrie du booster à gauche. Et la télémétrie du deuxième étage à droite, je vais déplacer ma cam pour l'occasion. Voilà. Pour l'instant, ça a l'air d'être bien parti pour avoir des jolies images. Ouais. Vous vous rendez compte, on est à 3 minutes 30 après le lancement, on est déjà dans l'espace. Hein. Là, le premier étage, il continue de monter. Hein. Regardez son altitude, il n'a pas encore atteint son apogée, donc son point le plus haut. Stage 2 is heading towards its targeted drop. Alors, l'une mission, c'était en Floride, les satellites, and stage 1 will execute two burns in order to make its way back down to Earth. The first is the entry burn, where three of the M1D engines acquisition of signal Bermuda reignite. Et là, on a changé de station de télémétrie, hein. As it re-enters the upper part of the Earth's atmosphere. The second burn is the landing burn, and this is a single engine burn that brings the vehicle speed down rapidly in order to land on the drone ship. Là, il est encore en train de monter le booster. Hein. Regardez ça. Hein. Avec l'inertie, en fait. Those little puffs of white gas you see on the first stage are nitrogen gas. Ouais, qui prend du temps quand même à faire son flip. Hein. Ouais. Ah, on voit un petit peu l'RCS sur le booster à gauche. Stage, ah, je les ai pas vus. Is continuing its burn, carrying our 53 Starlink satellites. Et on passe les 10 000 km/h. Je vous rappelle qu'on va pousser jusqu'à 27 000 km/h environ. C'est quoi ce joint Rolls, il nous demande, tu sais, toi, Lucas, au niveau du moteur du premier étage? Ce que je sais, c'est qu'il décolle à chaque fois au moment de l'allumage. Ouais. Apogée atteinte, oui, on atteint l'apogée, on est à 128 km, le booster commence sa descente. Ça y est. Now the Merlin's on the first stage. Both vehicles are following nominal trajectories. Both vehicles are on. C'est fou la vitesse à laquelle les kilomètres d'altitude ils descendent, quoi. Again, the nine Merlins on the first stage are optimized for sea level. So this means. Oui, on va assister à la libération des satellites, mais c'est pas tout de suite. Hein. Ouais, c'est dans la vue interne du booster. C'est dans 10 minutes la séparation des satellites. And it produces 220,500. On voit les RCS, hein, sur la. Ouais, sur la, ouais, je les vois. Je vais juste, moi, avancer mon image parce que t'as du de l'avance sur moi et c'est un peu chiant. You can see the first stage live views of the hypersonic grid fins, and they are positioned near the top of the first stage. Des gros morceaux de glace qui sont collés contre la tuyère qui n'arrivent pas à s'échapper. Ouais, du deuxième étage. And these grid fins, you can see them moving around. They do help to orient the. Le joint sert à ne pas abîmer la base du moteur quand il est dans l'interstage. Ah, c'est peut-être possible, ouais.
Et là, on commence à voir le booster qui va se mettre à redescendre et la vitesse qui va réaugmenter. Ah oui. Et ensuite, quand il va entrer à l'atmosphère, vous allez voir que le booster va ralentir avec les frottements. Et on va avoir un. Il va ralentir avec les frottements, mais il va surtout éviter de trop ralentir avec les frottements pour pas se consumer. Et il va allumer trois moteurs Merlin, tout à fait. C'est ce qu'on appelle l'entry burn. And this is a three-engine burn meant to slow the first stage down as it hits the thicker parts of the Earth. Les corrections d'RCS qu'on voit super bien là, c'est magnifique. Ouais. Là, je vous invite à regarder vraiment la. Regardez la vitesse à laquelle ça redescend. C'est incroyable. Regardez ça. Ils sont réorientés. Exactement. We did have the start et entry burn. Stage one entry burn. On rallume trois moteurs Merlin D là. That's a three-engine burn of the Falcon 9 first stage. Toujours fou ce moment-là aussi là. Ça dure quelques secondes, hein, mais ça permet au booster de ne pas se consumer dans la rôtisserie, on appelle ça. Et donc là, il y a trois moteurs Merlin d'allumés. Là, ils viennent de les recouper, il n'y en aura plus qu'un. Le reste du travail, regardez les orientations du booster avec RCS. Ouais. Et les Gridfins aussi, hein, qui bougent, qui se déplacent, qui se réorientent. C'est incroyable, on a une super vue là, comme c'est le lever du jour. C'est comme ça arrive vite dans les nuages, c'est incroyable, on a 8 km/h. On n'est même pas à 20 km d'altitude, on est... Et on perd le flux, super vert, V6, comme d'habitude. Flux au moment de l'atterrissage. Ah, et puis j'ai un bug de stream chez eux, moi, tu vois. And does its long re-entry burn, les gars, which it just did, to slow down prior to re-entering the atmosphere. The rocket will actually fly on a its own plume. 200 km/h, on n'a pas rallumé encore le moteur Merlin. J'ai du retard sur toi. Landing, you can see that on passe en dessous du vol supersonique, hein, pour le booster. We will have three events coming up here in quick succession. The stage one landing burn. Je me suis mis au même moment que toi. On compte quand même de la vitesse. On va avoir le rallumage du moteur Merlin. Ça y est, rallumage. On voit la barge, on voit la barge. Ouais, on la voit, regardez. Donc, allumage, landing burn. On a allumé un moteur Merlin pour atterrir. Pour l'instant, on a les images. Regardez les Gridfins qui. C'est magnifique. Est-ce que ça va atteindre la barge? Ça va l'atteindre. On va voir le déploiement des pieds. Oh là là, on voit plus rien. Comme d'habitude. Très bien passé. Aïe aïe aïe. Puis j'ai encore un bug du flux. Moi, ça bug chez moi hein, aujourd'hui. Stage 2, FTS is safe. Oh. Et on va arriver également au SECO, au second engine cutoff. Ouais, donc on va couper le second étage. Flight termination system has saved, and we should have second engine cutoff here very shortly. J'ai entendu parler de FTS là, ça m'a fait peur là. J'espère qu'ils n'ont pas explosé le premier étage. Tico 1. Ok, on a la coupure du moteur du second étage. We did have second engine cutoff here, and we are waiting on confirmation of a good orbit from our. Sammy SpaceX. Je vois de quoi tu parles en plus quand tu dis ça. Ok, donc là vous avez le plan de l'orbite, l'étage numéro 2 qui se dirige vers l'Europe du Nord. Mais on n'a pas eu de confirmation hein, pour l'étage 1 là. Enfin, ça, effectivement, on a toujours pas de confirmation. C'est bon, on a la confirmation qu'il a atterri. GG SpaceX. C'est confirmation. Et là, on a un joli plan. On avait un joli plan des Starlink. Et Starlink. Ouais. Par contre, j'en ai marre parce que chaque fois que je reviens dans le temps, dans le bon temps, ça rebug. Par contre, il faudrait vraiment que SpaceX fasse un effort sur les images sur la barre. Ce serait vraiment cool. Contre moi, je vais enlever la musique pour éviter qu'on se prenne un claim. Vous connaissez la musique. Et ça y est, on a une vue du premier étage sur la barge. Vue du premier étage. Qui a quasiment atteint sa cible parfaitement. Hein. Bon. Ça s'est bien passé. Et maintenant, la prochaine étape, ça va être le déploiement des Starlink qui va intervenir dans 5 minutes, à peine. Ils ont dit que le FTS était désactivé comme d'hab. Bah ouais, mais quand j'ai entendu ça, ça m'a fait peur. Mais ça va hyper vite le déploiement là. D'habitude, on fait une orbite. Oui, mais là, c'est plus rapide. C'est ce qu'expliquait Pablo tout à l'heure. Oula, on a la tuyère, là. Ouais, au niveau de la tuyère, on a de la libération, je sais pas si c'est de libération d'Ergol ou je sais pas ce que c'est, mais... J'ai pas du tout, j'ai jamais vu ça. Moi non plus. Il va passer au-dessus de la France, oui, mais à la prochaine orbite. Regardez, les jets de refroidissement de la barge. Ouais. Et j'aurais peur qu'elle tombe avec les vagues. Bah tu sais qu'à des moments, il y avait des images en accéléré, je sais pas si t'avais vu, d'une barge avec un booster qui avait failli tomber il y a quelques années. Arrêtez de dire que SpaceX abuse, c'est déjà gentil de leur part de filer des images et des infos aussi détaillées, c'est vrai.
On se rend pas. En fait, maintenant, c'est devenu tellement banal pour nous que bah en fait, on en demande toujours plus. Et, enfin, on est tous comme ça, quoi. C'est l'humain qui est comme ça, j'ai envie de vous dire. Avec les bugs caméra. Non, mais là, je pense que c'était moi qui avais des. Enfin, non, bah, ça peut arriver, hein, les amis. Hein. C'est la seule entreprise qui fait ça avec Rocket Lab, quoi. J'ai envie de vous dire, hein, des images aussi belles, donc. Donc on va avoir le déploiement dans pas longtemps. On a stoppé la vitesse, on est en orbite, on est à 27 110 km/h pour une altitude de 218 km. Les satellites seront visibles cette nuit, je sais pas ça, Yannick, je sais pas. On a passé les 300 likes les amis, merci beaucoup. Merci à vous, vous êtes encore plus de 500 sur le live, hein. Merci beaucoup pour votre affluence aujourd'hui. Le booster du deuxième vol de Falcon Heavy avait été récupéré mais il est tombé dans l'eau avec les vagues. Oh, ah ouais, donc c'est déjà arrivé. Hein. C'est déjà arrivé concrètement. C'est possible de voir le train de satellite, effectivement, les amis, cette nuit. Télécharger les applications. L'application adéquate. Ah, du coup, les lives SpaceX vont être. Enfin, les lives Starlink vont être beaucoup plus rapides qu'avant. Si, bah, ça va si être. En 20 minutes, on déploie. Ça sera toujours comme ça dorénavant. Tant mieux, j'ai envie de vous dire. On a vraiment l'essentiel. Je sais pas si vous vous rendez compte les kilomètres qu'on a déjà parcourus en 12 minutes là. T'as une vue de la map monde? Ah ouais, je viens de la voir. Ah ouais, on est déjà au niveau de. Comment on appelle ça? La Nouvelle-Écosse, là? Je crois que c'est comme ça qu'on appelle. Au sud du Canada. J'ai hâte de voir la capture en vol de Starship et du Super Heavy. Pff, mais ça, franchement, si ça marche dès le premier coup, c'est juste fou, quoi. Alors pour l'application, vous avez Satellite Tracker qui est très très bien, moi que j'utilise et que j'adore. Il y en a une autre, je crois. J'en ai d'autres des appuis, je voulais donner. Oh, il y en a plein, il y en a plein, 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 plein. Et on quitte les terres canadiennes pour traverser l'Atlantique. Moi j'ai aussi Events Above et Stellarium, voilà, comme appli, en plus d'ISS Detector. Oh, on a une super vue de la Terre là. Là on se rapproche de plus en plus de chez nous là. Hein. Géographiquement. On passera vraiment au-dessus de la France dans la prochaine orbite. Ah, hein, Terre-Neuve, voilà, on appelle ça Terre-Neuve. C'est Terre-Neuve qu'on appelle cette territoire, voilà, c'est ça. Ouais. Je ne me rappelais pas du nom. Merci, merci Aurélien. Je pense que bah, c'est dans un peu plus d'une heure et demie, ça passera vraiment au-dessus de Rennes, de Paris, de Lyon, de Nice, de Monaco. On est au-dessus de Saint-Pierre et Miquelon, c'est la France. Regardez aussi, la réorientation, oui. Regardez la réorientation avec les RCS. Oui, oui, oui. On la voit là. C'est incroyable là, ce qu'on voit. Oh là 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 là, ça se réoriente, ouais. Regardez ça, ça ne suit pas le même plan que tout à l'heure. Oh là là, c'est incroyable. Avec le plan, avec le soleil, c'est magnifique. On a vraiment, on est tout full jour là. Oh là on a là vraiment là de là la là chance. Là. On a une image incroyable. Ils faisaient pas ça avant. C'est pour ça que maintenant, ils circularisent pas l'orbite comme avant. Ils font ça de cette manière. Hi Steven. Regardez comme ça réoriente. Oh là 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 là. Ça, le, boost, le second étage il est en train de tourner sur lui-même là concrètement. Puis il augmente en altitude aussi. Hein. Screenshot ouais, clairement. Encore une fois, c'est pas une réorientation Quentin il dit. On te demande, si, Lucas, si Satellite Tracker est gratuit. Je pense que oui. C'est pour donner une inertie. D'accord, ok. Merci, Quentin. T'aurais pu venir en vocal, Quentin, quand même. T'abuses. Hein. Et ils l'ont toujours fait. Ouais, mais ça, on le voyait pas comme ça avant. Hein. Moi, c'est la première fois que je vois ça aussi. Hein. Mais on va assister au déploiement incessamment sous peu. Ah ouais, ça va avoir lieu là. Est-ce qu'on a encore des musiques ou non? Que je remette le. Ouais, non, c'est bon, on n'a plus de musique. Ah, ça y est. Déploiement. Ça y est, déploiement. Regarde, on a le premier qui se déploie et tous les autres vont suivre. Avec le soleil en plus, c'est magnifique. C'est incroyable cette vue qu'on a là. And again, Starlink is a satellite internet constellation designed and manufactured by SpaceX
Voilà. 53 Starlink vont rejoindre la constellation déjà bien peuplée. With the beautiful backdrop of the Earth in the background. And with that, the addition of these satellites, we've launched nearly 2,000 Starlinks to orbit to date. And with that, that brings today's webcast to a close. Thank you to the supporting today's mission. And of course, thank you to all of our viewers and all of our Starlink customers. On est au-dessus de l'océan Atlantique, la séparation en déploiement est confirmée. Les étoiles sont plus loin, Eliane. C'est vraiment un point fixe qui passe très très vite. Hein. Ouais, tout à fait. Bon bah voilà, c'est la fin du flux SpaceX, les amis. J'espère que ça vous a plu, c'était court mais intense. C'était un joli live, orchestré par l'entreprise américaine qu'on aime tant ici. Parmi tous les autres acteurs. Merci Benoît pour ton don de 25 euros. Merci Benoît pour ton gros don. Merci beaucoup. Ah, c'est énorme. Je confirme, vous êtes une super chaîne, un super live aujourd'hui. Des images de fou. Bah, merci à toi et merci à SpaceX aussi qui nous propose ces super images. Merci beaucoup Benoît. C'est juste incroyable. Et voilà, on va repasser sur la Minia tranquillement. J'espère que ça vous a plu. Bah là, t'as fait péter le chat, Benoît. Énorme Benoît, merci beaucoup. Merci Benoît, bah merci à vous en tout cas d'avoir suivi ce live. Merci Lucas de m'avoir accompagné. Bah avec plaisir, écoute. Malgré le fait que tu sois pas chez toi mais que tu sois très proche de chez moi aujourd'hui. Ouais, on essaye d'être là quand même. Hein. Alors il y a pas de cam mais. Ouais. Bah merci à vous en tout cas les amis. Là le chat il est en furie là clairement. Merci à vous de nous avoir accompagnés, de nous avoir regardé aujourd'hui pour ce lancement. On se retrouve normalement demain matin. Pour le lancement d'une fusée Rocket 3 de l'entreprise Astra, on espère que ça va partir, mais normalement un TFR a été publié pour demain matin, donc le décollage aura lieu, je vous redis ça tout de suite, le lancement de cette fusée il aura lieu demain à 6h, donc prise antenne à 5h30 demain matin, oui, pour un dimanche matin c'est tôt, mais ça va en valoir le coup, vous allez voir. Donc on vous tient au courant si ça perd bel et bien, et sinon, s'il n'y a pas de live demain soir, 18h, nouvelle vidéo sur la chaîne, le nouveau récap des actus spatiales des deux dernières semaines paraîtra. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater tout ça, à lâcher votre pouce bleu pour nous soutenir, et puis à suivre aussi nos réseaux sociaux où on poste des compléments d'informations, que ce soit sur Discord, Twitter, Instagram, Facebook, et également une boutique où vous pouvez avoir des contreparties de vos dons, de vos achats. Donc n'hésitez pas à faire tout ça, tout est en description les amis, et puis on se retrouve demain, que ce soit en live ou en vidéo. Bon après-midi à tous et à toutes, ciao les amis. Ciao, bye.